le 29 avril prochain. Nous demandons aux Congolais et Congolais de répondre massivement. Nous savons que la salle, le stade de martyr, sa capacité est très limitée à 80 000 personnes. On ne pourra pas apprendre tout le monde. Mais le président du Sénat, le professeur Bahati-Modeste, est porté garant de mettre des écrans géants tout autour du stade pour permettre aux autres Congolais qui n'auront pas l'occasion d'accéder au stade de pouvoir suivre ces messages. Et ça sera un mariage que nous allons inaugurer le 29 avril et des rencontres similaires auront lieu régulièrement pour que les Congolais suivent de près tout ce qui se passe. Et j'ai, comme j'ai dit ici, que maintenant, désormais, le gouvernement actuel dépendra, ne pourra rien faire sans consulter le présidium de l'Union sacrée, la conférence des présidents, dont nous faisons partie, moi et tous mes collègues qui m'entourent ici. Comme vous savez, nous sommes dans une phase, dans une période électorale, c'est une année électorale. L'objectif d'abord, c'est de gagner les élections. Et pour gagner les élections, franchement, il ne faut pas seulement gagner les élections et ne pas savoir gouverner demain. Nous avons voulu anticiper, mettre en place les gouvernements, la vision que nous allons diriger avec demain. Comme ça, puisque lorsqu'il y a 400 partis politiques, il y a 400 programmes de société, il y a 400 projets. Alors, nous avons voulu mettre un projet en commun. Le programme est tous en angon. Toujours qu'il ne voit pas une sacrée pour Bayoka FCC, Bayoka Balamoka, Bayoka Bilo, Bayoka Bilo, Bayoka Bilo, Bayoka Bilo, Bayoka Limbola, toyebi sa bango d'abord que Union sacrée zali tek to sala mi pona tseke di non. To sali Union sacrée po ya ba vision ya mboka ya sika. Mais na Union sacrée ona to lobi boye. Candidat na biso na maponani o ekoya comme candidat président de la République, ba kozala mi balete, a kozaka moko. Mais biso nde to ko désigné. Mais jusque là, candidature to zui jusque lelo. Les alliés, il y a visionnaire dans la vision. Les côtés secrets, Félix. Ce type de comme ça, il y a ambition. Il y a un poste. Il y a un peu examiné. Donc, tu as dit, c'est notre été. Tu as appelé. De deux, programme Oyo Toti à place. Tu as dit que le Congoman est un peu plus. Il va s'approprier. Il va s'agir un écran. Il va un monitoring. Il va s'agir de l'économie. Il va s'agir de l'économie. Il y a pas l'autodidacte. Pour ne pas qu'il boit, pour ne pas juger bis. Il y a un autre qui est vulgarisé, charte wana, malheureusement, vous avez qui m'occupe. Donc, tu as dit que tu as dit que tu as dit que dans Kambo et Tali, l'initiative, il y a loi, il y a un déconanga Chani. Même Chani nga moko, ceux qui vont au Kanga, tu feras qu'il y ait la salle moko boy. Pendant 45 minutes, on a limité quelque part. On a ébifié, déconanga. C'est une bonne initiative, mais ce n'est pas opportun. Le lot Oyo, Union sacrée, Azana, chance mieux. Il y a qu'on gagne par élection. Non seulement élection législative, nationale, provinciale, sénatoriale et municipale, locale, mais même élection présidentielle. Mais tout le monde est contre le prétexte. Il y a un peu de monde qui est contre. Il y a contre. Il contre l'initiative et la loi Wana. Tout ça contre proposition, il y a loi, il y a des connaissances au signe pour l'eau, tout le monde qui est biso, tout le monde qui est biso, tout le monde qui est divisé par le Congomani. Tout le monde qui est initiative, il y a beaucoup de Congomani ensemble. Tout le monde qui est mouton, le lobby, il y a un prétexte que ceux qui ont été éliminés, mais ils ont été éliminés, mais ils ont été éliminés. Diaspora, beaucoup de la Palin, bas combattants, beaucoup de la Palin, bas Congolais, aux hommes monde entier, dans cinq continents, mon kiri Mobimba, vous abonnez à la Congo Dialogue, info à sûr. Et vous pèsez à ma solo, dialogue est sengi boyokani, dialogue est sengi bolingani, dialogue est sengi tosangana, bisonnier sur bas Congolais, tous dans le monde entier, tous abonnez à la Congo Dialogue, info. Et si vous n'avez pas de monde, à moi aussi, vous avez une idéologie. Facile Ngembe! Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com.
Pour tenir qui sont rigueur.
Voilà, et c'est un mingi, tout le monde est là. D'abord, Jambé Nabiso. Merci mingi. Après ce biso, ma casse, il y a un peu de temps. Après ce biso, le mot est mingi. Dans la sous-section, il y a un biso qui est Kingabwa. On va organiser une manifestation. Oyo ba invité biso pour na koya koyoka sangonini ezo kolokana na mboka lelo et en particulier sens ya ba signature wana touti kosala sikoyo na Pullman Hotel pour na kotonga union sacrée de la nation tokolobela pe manger politique de l'air oyo lekana na mboka na biso ndenge boyebi nous allons dans l'année électorale chaque fois dans mboka oyo na année mbula ya maponani makambo mingi elikanaka tension ya kamakazi po ya bobangi o bazana pouvoir bazolo est ce que na kotika wana o bazangi na opposition est ce que to kotika ka na opposition sur ce comme ça c'est ça qui explique agitation ya lelo to dans ngo na lingi nano na kumi sa pe ba collègue na ngai na ya mbabango ba chef ya ba parti fondateur ya union sacrée na usenga na bango ba telema bombe na bango maboko ba membre fondateur ya union sacrée ba za ba collègue na biso Oyo, tu as créé une sacrée wana. Merci, camarade. Yayambo, na lingi nano, na sosola di kambo ya une sacrée au doua. Puisque toujours yo ya une sacrée, bamsume ba bandebe yango une sacrée. Bon bah sur la vie. Mais que que par élection oyo tonti ko sala et les cas qui n'a pas condition au difficile donc on s'en a la bande au na bayo dans mon cœur tonti na mikakata no belé yango wana tata mon compte Félix Tshisekedi à l'obati au débit pour la coéviter mon boulot na mboka à sa coalition na e na FCC on va venir qui FCC cash pour la couleur nous pour calmer tension préélectorale et la Kambi Mboka a sali la bande de FCC a monique vraiment avec alliance wana FCC a okokate pour remplir ba obligation na e vis-à-vis à ba congomani ba promesse la campagne a pesa qui a monique et gosimbate yango wana ngai kutu ndeko na bino biso inana nde tozalaki ba précurseur o babengaka ba Jean-Baptiste ya union sacrée et tozo kobele la majorité ko changer personne nous croyait à l'époque topesi na nombre ya ba député je me rappelle 6 mois avant j'avais parlé de 267 députés sur les 500 o bakoti na union sacrée nzambe asali biso ke tozala na capacité ya analyse ya makambo tout le monde a ma cambo et koya. Et vous me la quittez, révolution et salami, babandi koko ya moko moko, na assemblée nationale, na sénat, na gouvernement, tile lo, tokomi, na majorité, ya union sacrée, na institution nyonso, ya mboka na biso. Vous mettez en gros ma cambo. Et le koye salami na Congo, et tikali, marqué na histoire ya politique ya Afrique jamais na mboka mzuri na Afrique majorité est basculée en pleine législature et là na félicité ba élu du peuple oyo bazwa ki conscience
ya koloba ke non il faut tokende du bon côté mais er to sali wana izaka vision ya tata mukonzi Philippe Tshisekedi vision auto partager biso nyoso mais eloko moko sala makite ezala eloko acte moko légal yango wana presque 3 ans après Tolobi non, il faut si koyo tous à la organiser d'autant plus que batrobando koya ba but na ko signe sacré mais yo sacré mo za nini eza na charte té eza na statute eza na acte moko légal té yango to fandi na ba ndeko mtusu ba pionier Tolobi il faut tous à la charte ya union sacré mais différence ya charte oyo ya union sacré contrairement même à Bisso, dans la Moukakala, au Sala, il y a un manifeste de l'Ancelé à l'époque de Mobutu, qui était un bon test, mais qui n'était pas appliqué. Contrairement à FCC, c'est tout un programme et un gouvernement. Malheureusement, Ngongaïza Mingite n'a pas qu'à prévoir qu'il y a secteur par secteur pour la Kisake, toujours adhérer des Neti, on va bien bilanda malandangulu. To adhérer de la vision ya Congo ya Sika. Vision wana ezali incarné na Félix Tshisekedi. To lobi na union sacré. Tout le monde peut être candidat au boite. Mais candidature oyo biso na union sacré. To kopesa la magistrature suprême vous aura mort oyo mort et jusque là la seule candidature oyo tozui na union sacré ezali ya Fachi Beto Mitele Mapoko biso na regroupement na biso artefaire tozaki lingomba ya liboso ya koloba pour le regroupement AFDC allié, notre candidat président de la République, c'est Félix Tshisekedi. Et j'ai eu l'honneur, après notre réunion avec notre autorité morale, Bahati Modeste, président du Sénat, il m'a accordé, avec la confiance de mes collègues chefs de parti, de pouvoir annoncer ça devant le bureau du Sénat, que l'AFDC allié a choisi Félix Tshisekedi Tshilombo comme notre candidat président de la République, Bobo Tile Mabongo. Nous sommes fiers aujourd'hui d'être suivis et embattés par d'autres partis politiques. Aujourd'hui, l'Union sacrée a plus de 400 partis politiques. Vous vous rendez compte, les hommes et les femmes responsables. Puisque lorsqu'on crée une partie politique, on a une vision. Et notre objectif, chacun dans son parti, comme mes collègues qui se sont mis debout tout à l'heure, c'est de pouvoir conquérir le pouvoir Kozoua, pouvoir Bazarango. Mais Batunyo Sowana, plus de 400, Basina Mibayolbi, Bisso, pour soutenir vision, il y a Papa Tshisekedi. C'est pour dire que Bakongolais, Bakomi Kolamouka, de comprendre que pour disperser par ma casse na biso, et ça dit fragiliser biso. Yango de lobby boye, donc ça la campagne, awa na Kinshasa, commune par commune, pour la vulgariser vision ya sika. De l'épicipé gouvernement oyo, fini les blagues, puisque le gouvernement actuel est l'émanation de l'Union sacrée. Ce gouvernement-là, dirigé par Samadeu, nous engage, nous, Union sacrée. Tout ce qu'ils feront, ils doivent venir se ressourcer à l'Union sacrée. Tozali, laboratoire na Bango. Puisque le programme auto-outique au sala na Union sacrée, auto-adhéré Nango, ce n'est pas un discours vain. C'est un pouvoir, c'est une vision. Oyo est pour diriger Congo Yassika. Et après l'élection, Yango est pour diriger Mboka Lobby. Puisque l'objectif de Tozali Mibale. Premier objectif, reconduire le chef de l'État actuel à la magistrature suprême. Deuxième objectif, Ezali Yakopé Saye, majorité parlementaire
conséquente pour nako diriger Mboka avec sa propre majorité. Yangwana Bisona Inana, ça nous engage. Tolobi, Tokoluka Bavoate, il y a un règlement des comptes nés. Même eux, Baye Sika, ils ont les mêmes droits que Bisso Batomanaïkana. Puisque Bisso Tosali est chrétien, nga particulièrement. Et ceux qui n'attendent que Biblia, au Komona, au Abena Saoud, sur le chrétien Bazali, il y a un président de Bisso, il y a sous-section, il y a Kingabo, attaché, à un musulman, des confistons, Mwalimu. Mais Bisso est chrétien, tu as une histoire à Saoud. Vous voyez Saoud, non? Oui. Saoul a zaki qu'on persécutait l'église et à Jésus. Si Jésus est mort à l'obin, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Saoul a quoi? Mais Saoul a koufi saint, a koufi saint Paul. Au boga, saint Paul de Saoul. A ça, il même dit ça, qu'on est quand même au babanda qui n'a Jésus, même au la disciple à Jésus. C'est pour dire que Bandego va être rejoindre de Bissot, dans l'union sacrée. Ce sont des bons citoyens, Oyo va se ressaisir. Bamoni ici qui a intérêt à mon Ezali. Na lingena lo bape que Bissot na inana. À ce qui concerne l'actualité à l'élo. Toki initiative ya Ndekochani Noël, proposition de loi ya Mr. Nanga Singi Pululu, de lobby Bissot na inana. Nous pensons que le moment n'est pas opportun. Les lots, il y a Kokoka, Koluka, pour diviser la commune. Puisque proposition de loi, wana, une fois votée, et Koka, on a vu sur la commune, que Gorénie et Bisson. Et on ne fait pas aujourd'hui, pas prêter Bisson, ma intention à ma béquée, dans un bar d'abattu. Non. En tout cas, la force de les lots, nous sommes sûrs de l'emporter. Et nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit les quatre coins du Congo. Nous avons dit qui peut battre aux élections, Batata Oyo, Bamama aujourd'hui, de recourir ou donner l'occasion à l'opposition, Balobano, Tosali Boye, pour éliminer certains candidats. Ça, c'est notre position de l'Inana qui nous engage. La deuxième position est l'Inana. Nous avons dit que nous avons un parti indépendant. Nous avons un regroupement AFDC allié. Puisque le mouvement Oyo a rencontré notre vision, mais Bisso Inana Tokoke de partout et si tu as pour soutenir la candidature, il y a Félix Tshisekedi. Tu le bien pour les lots. Partout et si tu as pour soutenir Tshisekedi. Un candidat, Bisso Inana, tout en étant de nos sacrés, tous à la Puna. Puisque nous tous pour soutenir vision. Donc pour soutenir tel individu. Et nous croyons que les lois constitutionnent la mission. Et puis chef de l'État, mandat mi-balé, une fois renouvelable. Et nous pensons que Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo, a bandit Moussala, n'a pas de conditions difficiles. Si le budget de la mission est outil, et si tu as les lois, la situation économique de la mission. Ton plan c'est que ceux qui t'ont passé sous mandat sur 5 ans, à cause de ça, mandat naïe, avec vision Oyo, il y a union sacrée, c'est comme les gardes fous. Oyo, les alliés, voilà, pour le peuple congolais, pour que ma camounion soit au salon. Et ça a intérêt à peuple congolais. Et ça a intérêt à Bino. Il y a un mot qui est sa position à Bissot, la bande de Bissot, Oya Kingabwa, il y a limité. On va y aller, je sais pas, tout le monde va découvrir, bah aussi, il y a Chango, présent Chango, il y a Chango. Attends, est-ce que tu as Chango? Est-ce que tu as il est représenté par Christophe.
sacré de la nation. Comme vous le savez très bien, l'Union sacrée a été légalement constituée depuis presque deux semaines. Et il était question que nous puissions organiser notre sortie officielle. Et en tant que la première force politique et électorale de ce pays, on a cherché où est-ce que nous pouvons nous réunir pour notre sortie officielle. Puisqu'on attendait entre 800 000 à 1 million de Kinois et Kinois. Toruki partout à l'heure de 8 ans. Bandekoumé, on a dit que non. Donc, il y a un Ndolo. Est-ce que tu n'as pas dit pas? Même si le pape a tout le monde qui a posé. Mais Bandekoumé, non. Ceux qui problèment Ndolo, Bakoloba, Bokini Star de Martyr. Comme on a posé mon bilan, Star de Martyr, mais ça te martyre capacité n'a pas 20 à 30 000. Donc ce n'est pas suffisant pour contenir les 800 000 à 1 million de Kinois et Kinois orthodoxes là le 29 avril de Tolobi Boy. Comme ça nous sommes exactés nous avons fait un exemple. Alors autorité morale a mis son président Sénat à proposer une union sacrée et avec son propre financement de mettre des écrans. Tout autour, il y a écran tout autour, il y a stade de martyr. Si nous n'aurons pas victoire, puisque pour un million de personnes, tu vas être à Bangwa. Le Bandekoyo va pouvoir placer le 29 avril dans le stade. Bali Misabiso va tenir biso les guerres puisque nous évitons qu'il y ait des dégâts. Si on dépassait la capacité d'accueil du stade de Martyr. C'est pourquoi nous avons prévu de mettre des écrans jusqu'au niveau des victoires, jusqu'au niveau des rebondissements, pour que les camarades qui n'auront pas l'occasion d'accéder au stade de Martyr puissent au moins écouter le message de l'avenir. Pour mobiliser les Kinois et Kinois, il y a nombreux qu'on a qui soutient tout en Angon. Dans la vision à Congo-Sika, soutient tout en Angon, dans Tata Mokosi, en participant physiquement dans le bien, dans la sortie officielle où il y a une union sacrée, où ils allaient prévu le 29. Donc, pour faciliter le transport, parce que maintenant, on va transporter. Kinshasa et comme mon aîné, objectif Nabiso et Zalike, Congoman Nyoso Ayoka, Makamboyo, Balider Nabino, Yaïno Sacré, ma collègue Nabiso, y a conférence de président, Toko Sosola, pour la Congo Yassika, pour la Congo Yalobi, puisque Moussala, tout ça pour ça, la Yaïno Sacré, et ça Moussala Nabino, et ça Moussala Nabiso. Mais ceux qui t'ont donné un soutien à Nabino, tu vous auras fait motivé. Il y a un autre soutien à Nabino pour se déplacer massivement, pour répondre à l'appel. Il y a autre autorité. Il y a une union sacrée, tant que Félix, président de Nabiso, dans la conférence des présidents, il y a le président fondateur, il y a l'union sacrée. Donc, aussi, il s'agit de l'autorité, sans que tout le bas, dans l'actualité du moment. Nalingina loba awa, écoutez-moi bien. Ne vous fiez pas aux lumières des réseaux sociaux. On m'a toujours appelé prophète des abondés. Je vous dis et vous confirme que les élections telles que prévues auront bel et bien lieu le 20 décembre 2013. Et le 20 décembre 2023. Donc, pour dire que préparons-nous, toujours les là, gouvernance à Mabé, Mboké à Malamouté, Batrou partout, l'Otili Kézate, Maïezate, occasion Yango Moyo. Aujourd'hui, la carte d'électeur n'a pas de valeur. Comme on a monté après ce t-shirt, après sur Fanta, après sur Maï,
pona mutu aza na vision ya Kongo sika. Pona mutu oyo akomema Kongo liboso. Yango na insiste mingi ke bozala na participation active. Appropriez-vous l'Union sacrée, c'est pour vous. Et d'autres organisations qui viendront, je vous demande de vous en approprier. Puisque ce pays nous appartient. Mouzeu nous disait toujours, prenons-nous en charge. Même Simon Kimbangu à l'époque disait, prenons-nous en charge. L'État, certes, a sa mission, mais la pression que nous allons faire vis-à-vis de l'État, c'est ça qui fera que nos conditions de vie soient améliorées. C'est pas comme ça. Nalingina sur la paix, ma cambia est. Bouti Kolanda, Ndeko Kagame, puisque j'ai une actualité, à l'Oïke, Bango Rwanda, Bazali na Biteni Awa, na territoire national du Congo, il faut la récupérer. Moi j'ai eu à vivre au Rwanda. Moi si Nangaya Kala, avec l'ambassadrice d'Angleterre, Kuna, Yamundele. J'ai fait 4 ans à Rwanda. J'ai mis Batouana Nyoso Nengwakala. Nakoseka na Pino Bakongomani. Tous à la mobiliser comme un seul homme. Comment on a fait qu'il voit les amusicatés? Et tel Nyoso. Il y a Congo et Zoa Patrimoine de la Bisson. Et ça, vous êtes. Oui. Et ça, patrimoine national de la Bisson. Et là, il y a un ministre de ça. Dans la zone, tu as Goma, la Kola Kuna. Bandekouana, Babanda, Bandakar. Dans le cas où il y a un exemple, mon propre exemple à moi. J'ai acheté une parcelle en 1987 à Goma, au bord de la frontière. Donc, juste là, on appelle la Grande Barrière. Ma parcelle faisait 30 mètres sur 60. N'avez pas constaté, 5 ans après, pendant la rébellion, il y a RCD et Bandiwana, Barwande, Bayeko, revisité force frontière. Bazui, parcelle, Nangaï, Nazana, titre, na certificat, je l'ai. Bayeko, avancé, Bati, Kelingaï, 20 mètres, côté à Congo, 30 mètres. De la pièce. Donc, basé sur 60 mètres d'Angaï. J'ai protesté, j'ai des certificats. Au cas où on peut s'en rendre tous sur Yapon. Et il n'y a pas eu de la main. J'ai même écrit officiellement, na ville à Goma, Tissikoy, le chef de cadastre de l'époque, qui s'appelait Gervais, un jeune Rwandais qui a étudié ici, na IBTP, il m'a approché, il m'a dit, Excellence, comme vous avez été amputé de 40 mètres qui sont entrés chez nous au Rwanda et que c'est moi le chef de cadastre à Gisenyi, venez, je vous donne le titre au Rwanda. Il est là, ce n'est pas, il m'a écrit officiellement dans mon kandango. Mais moi j'ai dit, mon frère, je suis nationaliste, comme mon gouvernement ne m'a pas soutenu, vous avez eu l'appui. À l'époque, il y avait la rébellion au Rwanda, où il y a RCD, c'était à l'époque que c'était fait. Je voulais ça, ce n'est pas ça qui va. Mais moi, je suis chef coutumier, je ne peux pas prendre une parcelle au Rwanda qui m'appartenait au Congo. Mais il y a d'autres compatriotes congolais qui sont aujourd'hui dans la politique. Certains même sont au gouvernement aujourd'hui, qui ont accepté et qui ont fermé les yeux. C'est comme ça que Rwanda maintenant, Oyazoua qui Wana, Wana c'est en ville, et mon ami. Mais Oyazoui qui est à la Kibumba. Et les qui? Ça c'est en plein centre-ville de Goma. Moi-même, j'ai été victime. Quand vous allez à Goma aujourd'hui, vers la Grande Barrière, vous allez voir des parcelles entières qui ont été expropriées. On vit aussi de tout le monde, mais personne n'a soulevé les yeux. Voilà les Sikoyo. Comme on n'a rien fait, le président rwandais, il se permet de réclamer même des territoires plus grands, plus vastes. Donc nous devons nous prendre conscience de nos responsabilités. Ce n'est pas puisque le Congo est grand et vaste que la voie a basé à Bokatakata. Et comme il est dit, l'éléphant est parmi ceux qui ont fait la Zamba, la Bengala, dans le village. Je me rappelle, j'avais 8 ans, j'avais une Mboka Nabiso, et les femmes qui ont fait la Zamba, j'avais une grand-mère. Petit 8 ans, j'ai eu moi 5 mois.
Nazo Bedango, pour marcher plus de 82 km. Pour se faire Nyama et Anambok. Mais le Congo, ce n'est pas ça le Congo. Le Congo a ses frontières issues de la colonisation et la souveraineté de notre pays n'est pas à négocier. On peut tout nous arracher, mais sauf notre souveraineté. Valère Otozala Mobisa Bomoy, aux opposants, aux majorité, c'est d'abord préserver l'intégrité territoriale. C'est tout ce que nous avons de précieux et qui est un patrimoine commun. Aucun Congolais, même le chef de l'État, n'a pas le droit de remettre en cause la frontière Nabisso ici de la colonisation. Yango Nabosengabino, tous se mobiliser comme un seul homme pour mettre fin à toutes ces velléités. Ce n'est pas seulement à Rwanda, même en Zambie. Vous avez appris plusieurs fois, l'armée zambienne est entrée chez nous. En Angola, ici, plusieurs fois. Pourquoi? Puisque nous n'avons pas encore pris conscience. Nous devons prendre conscience et barrer la route à tous ceux-là qui ont des velléités de pouvoir remettre en cause notre souveraineté nationale, notre existence en tant que peuple. Je voudrais terminer par les problèmes de la sécurité à l'Est. C'est vrai. Je fais partie de l'Union sacrée, mais je dois dire ici que la façon dont nous gérions ces problèmes, moi, en tant qu'acteur politique de premier rang du Grand Kivu, je n'ai jamais été content de ça. Et je pense que maintenant, comme l'Union sacrée est là, et que l'option relative à la consultation de l'Union sacrée, nous avons un programme de gouvernement, sera rapidement activée, pour que nous puissions contribuer à pouvoir donner des orientations. Puisque à ce qui nous concerne, nous pensons qu'on peut mettre fin à cette guerre qui nous est injustement imposée par une guerre économique. Les pays qui nous font à genoux aujourd'hui, et je dois dire ici aux Congolais, que contrairement à ce que l'opinion publique circule, les Ougandais et en particulier le Président Museveni soutiennent plus le M23 que même les Rwandais. Vous n'avez qu'à regarder la frontière qui nous sépare avec l'Ouganda, c'est le fief de M23. Donc déjà, notre approche déjà n'est pas bonne de ce côté-là. Ces amis-là, ces voisins, ont eu tout le temps, depuis que le M23 était défait, ils ont eu presque 12 ans pour préparer la guerre. Pendant que nous étions ici dans les Djalelo, dans les Tralala, les autres nous préparaient la guerre contre nous. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, la guerre militaire, la guerre physique, nous ne sommes pas préparés à ça. Mais nous pouvons faire une autre forme de guerre que nous, à l'INANA, nous appelons la guerre économique. Nous pouvons asphyxier économiquement ces deux pays. Quand vous regardez les pays comme l'Ouganda, l'Ouganda est un pays qui n'a pas accès à la mer. Et si l'Ouganda tient aujourd'hui, c'est à cause des droits de trafic. L'Ouganda reçoit plus de 4 milliards de dollars chaque année de trafic de marchandises qui passent entre la RDC et l'extérieur vers le port de Mombasa ou le port de Dar es Salaam ou inversement. Si nous pouvons priver l'Ouganda de ces 4 milliards de dollars, l'Ouganda ne tiendra même pas un mois. Le Rwanda fait presque 3 milliards de dollars. Quand vous allez, ceux qui fréquentent souvent Goma, Bukavu, ils vont voir des camions à la frontière entre le Rwanda et la RDC, qui partent soit en Tanzanie, au port de Dar es Salaam, soit au port de Mombasa, au Kenya, inversement. Et tous ces camions-là payent de l'argent. Nous ne pouvons pas continuer à financer les pays qui nous font la guerre. Alors que nous avons la possibilité aujourd'hui de contourner ces pays-là, d'aller vers les pays amis, voisins aussi, comme le Burundi, avec lesquels on n'a jamais eu de problème, comme la Tanzanie, avec lesquels nous avons même une
un agrément, donc un contrat, un accord de coopération militaire. Et c'est cette guerre-là qui pourrait faire fléchir les armes. Puisque toutes les armes qu'ils achètent aujourd'hui, tous les moyens qu'ils donnent au M23 et consorts, c'est l'argent des Congolais. Je prends mon cas de Walikale, qui ont fait Matadi, Kinshasa, Kinshasa avec les fleuves jusqu'à Luero, de là à Mweneditu, ils sont allés jusqu'à avec les trains à Lubumbashi, Kindu, ils ont traversé Kisangani pour arriver à Walikale. Voilà la construction des Belges. Même les minéraux, les hauts minéraux de Katanga, qui faisaient la fierté du Congo. Moi, quand j'étais ministre de Mobutu à 26 ans, 80% du budget national était financé par la GECAMI, OIM. 80%. Et à l'époque coloniale, toute la production des hauts minéraux de Katanga, dont la GECAMI, n'était pas exportée par les ports de Dar es Salaam de Kenya ou de l'Afrique du Sud ou de Namibie. Non. Les Belges s'étaient arrangés pour que tous les minéraux passent par ici, par les ports de Matadi. Et l'argent restait au Congo. Pourquoi nous ne pouvons pas faire ça aujourd'hui? C'est pourquoi moi j'estime que parmi les priorités du futur gouvernement de l'Union Sacrée, où je fais partie, ça sera l'amélioration des infrastructures. Puisque aussi longtemps qu'on n'aura pas arrangé les infrastructures dans ces pays, on ne pourra rien faire. Deuxième chose, il faudrait que nous puissions aujourd'hui matérialiser les slogans qui dit que l'agriculture, c'est la priorité des priorités. C'est un discours politique, c'est un slogan, mais qui ne s'est pas encore matérialisé. Moi, j'ai été le plus jeune ministre d'ici, de la RDC. À 26 ans, j'étais ministre de l'agriculture. Et je me rappelle à l'époque, quand on consultait Maréchal Ayambingaï, Namongalie Mao, il y a des gens qui sont encore en ville. Docteur Loseke, je l'ai vu même hier à la réunion de l'Union Sacrée avant-hier. Il y avait José Ndungo qui était là, à Tuningaï, à l'Obime, au Ligny ministère Nini. Nami, Tata Maréchal, dans la vie agriculture. Ah, il y a un 26 ans, agriculture, il n'y a pas. Donc, pour que depuis jeunesse Nangaï, j'ai toujours crié que l'agriculture, c'est vraiment le socle du développement de notre pays. Mais quand je vois aujourd'hui, qui était un projet phare, et aujourd'hui il nous donne des leçons pour dire que ça me fait mal au cœur. Puisque Bukangalo, c'était un bijou. Et je dis ceci, que tous ces gens-là, je les ai vus dans Lubumbashi. J'ai vu Moïse. Il a dit qu'il a fait des routes au Katanga. Mais regardez les routes que Moïse a fait. J'ai dit, c'est vrai, on peut nous traiter aujourd'hui des discours d'intention à l'Union Sacrée, mais n'a pas si bien au rendez-vous dans l'élection Isoya. Puisque l'Union Sacrée, s'il y a des gens qui viennent avec l'idée qui va contribuer, en tout cas, puisque nous sommes déterminés à changer ma vie. Déjà, la réunion a besoin d'une sacrée. Nous sommes ici, nous sommes des chefs de parti. Nous avons des mandats de vous. Vous nous avez donné le mandat. Nous devons vous défendre. Les abonnés. Yango, nous avons besoin d'une minute. J'ai invité Soki, secrétaire général, à l'Elevamouké à Koroba. Peut-être président de Nabiso Yalik de Femmes, honorable Biringanine. Alors, président de jeunesse, pour les Balabakamini.
tu es moi adressé à la jeunesse. Pour voir ce qu'il y a présent, puisque vous faites un tableau. Bonjour, vous avez tenu un meeting ce matin ici à votre QG du côté Kingaboa. La quintessence de votre message à la population, mais à ceux qui vous suivront à travers nos ondes. Oui, d'abord, nous sommes venus ici comme parti politique Inanna, membre du regroupement AFDC Alliés, répondre à l'invitation de notre comité sous-sectionnaire de Kingaboa, qui a suivi à travers les médias tout ce qui s'est pas fait au Pullman à ce qui concerne la signature de la charte de l'Union sacrée, et la base voulait savoir les contenus. Nous avons pensé que la démarche que nous venons de faire aujourd'hui, comme l'Union sacrée est une plateforme politique et populaire, nous avons voulu demander aux Congolais et Congolais de s'en approprier, de s'imprégner de son programme de gouvernement, parce que contrairement aux autres plateformes politiques, l'Union sacrée a un programme dans tous les secteurs de la vie, et c'est comme ça que nous sommes venus ici pour expliquer aux Congolais et Congolais ce que nous attendons demain de l'Union sacrée, et surtout annoncer la sortie officielle de l'Union sacrée au stade des martyrs le 29 avril prochain. Nous demandons aux Congolais et Congolais de répondre massivement. Nous savons que le stade de martyrs, sa capacité est très limitée à 80 000 personnes. On ne pourra pas apprendre tout le monde, mais le président du Sénat, le professeur Bahati Modeste, est porté garant de mettre des écrans géants tout autour du stade pour permettre aux autres Congolais qui n'auront pas l'occasion d'accéder au stade de pouvoir suivre ces messages. Et ça sera un mariage que nous allons inaugurer le 29 avril. Et des rencontres similaires auront lieu régulièrement pour que les Congolais suivent de près tout ce qui se passe. Et comme j'ai dit ici, que maintenant, désormais, le gouvernement actuel dépendra, ne pourra rien faire sans consulter le présidium de l'Union sacrée, la conférence des présidents, d'où nous faisons partie, moi et tous mes collègues qui m'entourent ici. Aujourd'hui, vous avez signé la charte de l'Union sacrée. Vous venez d'évoquer tout à l'heure dans la salle qu'il y a plus de 300 partis politiques, 400 qui ont signé cette charte. Est-ce que le contenu, à quelques mots, on peut retenir le contenu de ces chartes que vous avez signées? Bon, d'abord, comme vous savez, nous sommes dans une phase dans une période électorale. C'est une année électorale. L'objectif d'abord, c'est de gagner les élections. Et pour gagner les élections, franchement, il ne faut pas seulement gagner les élections et ne pas savoir gouverner demain. Nous avons voulu anticiper, mettre en place les gouvernements, la vision que nous allons diriger avec demain. Comme ça, puisque lorsqu'il y a 400 partis politiques, il y a 400 programmes de société, il y a 400 projets. Alors, nous avons voulu mettre un projet en commun. Moi, par exemple, je suis conservateur, j'étais obligé de me plier sur certaines visions que je ne partage pas, mais au moins faire l'unanimité pour que le Congo de demain soit un Congo meilleur que ce que nous vivons. Vous savez dans quel contexte l'Union sacrée a été créée? C'était un contexte de révolution. On a dit couper les liens entre les FCC et les CACH pour avoir aujourd'hui l'Union sacrée. Donc, ce contexte-là s'est dépassé. Ce cas-là est dépassé. Mais aujourd'hui, nous voyons plus loin. Et je suis très fier aujourd'hui de voir les amis qui étaient dans l'FCC demain. Quoi qu'ils aient été frustrés, ils nous ont rejoints. Et nous leur disons, ils sont les bienvenus. Nous tous, nous avons les mêmes droits. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Un vrai homme, c'est celui qui tombe et se relève. Un homme qui tombe et reste par terre, ce n'est pas un homme. Et le président de la République, ce qu'il dit, vous pensez qu'il sera vraiment réélu avec le contexte actuel, tout ce qui se passe à Lubumbashi avec l'opposition? D'abord, nous avons dit à travers cette matinée politique, nous avons confirmé que les élections auront bel et bien lieu. Thierry, tu me connais, tu m'appelles prophète, tu te rappelleras, le 20 décembre 2023, nous irons aux élections. Donc préparons. Deuxième chose, on ne va pas aller aux élections pour accompagner les gens. Nous allons aux élections pour les gagner. Et pour les gagner, il faut s'organiser. Et je vous dis que ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est la qualité. Quand vous regardez ces femmes et ces hommes, chefs de parti, vous retrouvez le Congo valablement représenté. Et je me dis, est-ce qu'il y aura encore des courageux après la sortie officielle de l'Union sacrée qui pourraient encore prétendre se présenter à la magistrature suprême? C'est pourquoi nous avons dit à l'INANA que nous ne voulons pas que ceux-là qui vont échouer demain puissent avoir des prétextes. Que nous avons dit, nous sommes contre l'initiative de Tchani, Noël Tchani,
tout en étant l'Union sacrée, c'est notre droit. Nous ne croyons pas que ce genre d'initiative ou de proposition de loi puisse rassembler les Congolais. Nous voulons aujourd'hui aller avec tous les Congolais aux élections pour que personne ne puisse avoir de prétexte pour dire que si on m'avait donné l'occasion, je serais premier public. Voilà la vision de l'Union sacrée. Et là, nous l'exprimons librement à l'Union sacrée. Et nous avons dit encore que toute organisation qui viendrait après l'Union sacrée, qui soutiendrait les chefs de l'État actuels, l'INANA sera avec eux. Sera avec eux puisque nous, c'est question de fidélité, de loyauté. Notre autorité morale, Bahati Modeste, nous avait dit, nous avons Félix Tshisekedi comme candidat aux élections présidentielles et nous ferons tout pour que notre candidat puisse l'emporter tout haut d'une manière transparente et démocratique. Pour la situation à l'Est, Tokutani Awa Nakingabwa, un de nos fiefs électoraux, sur invitation, il y a sous-section, il y a comité, il y a Inana Kingabwa. Bayoka qui n'a pas réseaux sociaux, n'a pas bilili, qui a conzi amboka, qui a été à l'Injaka, na lingomba muneno bazo benga Union sacrée. Balingaki bayeba, programme nini tozanango. Toujours qu'il y a des wapi na Union sacrée pour Bayoka ba FCC, Bayoka ba Lamoka, Bayoka bilo, boye balingeski zaka ndenge moko. Yango toyaki awa, ko limbola, toyebi sa bango d'abord ke. Union sacrée, ils allaient te faire pour ne pas non. Tout ça, l'union sacrée pour y avoir vision, y a un beau cas ici. Mais na union sacrée, on a tout lobby boy. Candidat na biso na maponani, oye koya, comme candidat président de la République, bah vous allez mis balété, vous allez faire mort. Mais biso n'est pas désigné. Mais jusque là, candidatir au tozui, jusque là, ils allaient y a visionnaire na biso, ne pas Tshisekedi, Félix. Ce type de comme ça, on a ambition. Il y a un postulé. Il y a un peu examiné. Donc, tu as dit, c'est notre traité. Tu as appelé. De deux, programme Oyo Toti à place. Tu as dit que le Congoman est un peu. Tu as s'approprié. Pour que tu aies un écran, tu as un monitoring. Tu as dit que tu as une économie. Tu as dit que tu as un maquillage. Programme. Il y a un peu de temps. Tu as dit que tu as un peu de temps. Il y a un autre qui a vulgarisé charte wana malheureusement ngonga avec mukenga ko tikali wana te to bibi sona inana ke nakambo etali initiative ya loi ya ndeko nanga chani meme chani nga moko so ki bazoka nga to fara kine na sal moko boy tandaka na 5 minutes na limiter quelque part na ebifié ndeko nanga c'est une bonne initiative mais ce n'est pas opportun le lo oyo Union sacrée a une chance mieux. Il y a qu'on gagne par élection. Non seulement élection législative, nationale, provinciale, sénatoriale et municipale, locale, mais même élection présidentielle. Mais tout le monde a fait un prétexte. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Tu es contre l'initiative et la loi Wana. Tu es contre la proposition. Il y a loi. Il y a des gens qui ont dit que les gens qui ont divisé les Congolais, ils ont une initiative pour les Congolais. Ils ont dit que les gens qui ont été que ceux qui ont été éliminés, ils ont été éliminés. Mais ils ont dit que les gens qui ont été élections sont transparentes, démocratiques et crédibles. Et ils ont dit que pour retenir date à l'élo bande konanga et à médias, il y a presse. Le 20 décembre, à Taba Banguna Bazui Congo Nyoso, tout est dans le quartier Moga Kingabwa, tout ça là-bas, élection dans le quartier Kingabwa. Élection nationale pour Salam. Puisque parmi les causes, Oyo, bande konanga Bazali qui ont utilisé, ils allaient qui empêcher Tata Mukozi Oyo à une nouvelle légitimité. C'est ça le nez de la guerre. Bande konanga pour s'habiller dans Mobulu. Calendrier électoral et la respecté. Donc, comment, dans le mois de janvier, mandat est signé, élection est atteinte pour Baba Namobulu. C'est sa stratégie. Et nous, à l'Union sacrée, nous disons que qu'il pleuve, qu'il neige, quel que soit le degré d'insécurité dans Mboka, élection, il faut ça. Puisque l'élection, on a un peu pour Nabakonzi Asika, ou Bakouya Kotia Kimia dans Mboka. Tout ce qui se peut, c'est que Bissona Inana, tu as des partis politiques indépendants.
Tozana recommande AFDC allié, mais nous gardons notre indépendance. Tozana union sacrée, nous gardons notre indépendance. Tolobi boy, lingomba nyoso ekoya lobby. Boka ba, ouais, Michika Zakuna. Oh, je vois comment, tous sont fâché béton. Bisso, on garde la compte. Lingomba nyoso, puisque nous croyons que Bisso, Tozali animé, na fidélité, na loyauté. Le 29, Ezali sortie officielle. Il y a Union Sacrée. De prévoir Yango et Salama na stade des martyrs. De l'oukis stade de 800 000 à 1 million. De monite. De l'oukis espace exact. Tu vois, tu as une idée. Moko, tu as une idée. Tu as une idée. Tu as une idée. Tu as une stade des martyrs. Tu as même obligé de que l'État dans le Congo central, dans le Bandundu, tu as une espace exact. Comme capacité d'accueil, il y a le stade des martyrs, n'est que de 70 000, 80 000 personnes. Tu as dit, alors, tu as un écran géant. Tata Mukonzi, président du Sénat, a coupé ça par écran dans le Congo. Que banda place, victoire, rompe victoire. Jusqu'à ce que le palais du peuple, tu as rompu, il y a Willery, tu as un écran géant. Pour le Congo, puisque on espère. À recevoir à peu près 800 000 à 1 million de Kinois et Kinois, bien pour que les lobas qui toko à venir à Congo à lobby, alors par contre, mais ça bise sur Bamusu, sur Bakoko dans la quantité. D'ailleurs, on a compris les gens dans la Libanda. D'ailleurs, c'est que même un gars co-fondateur de l'Union Sacrée, j'ai fait la Libanda dans l'endroit écran. Ce n'est pas que ceux qui ont été la carte ont été privilégiés. C'est toujours éviter que incident, vous voyez, ma caméra qui va continuer à faire les nous nous sommes na pouvoir. Gouverner ce pouvoir, il faut tout éviter que si Nani est surpeuplement et là, que les dégâts et ça. Merci. Donc rendez-vous le 29 avril à partir de 10h, tout comme ça, dans le stade de martyr. Merci. Congo dialogue, Congo dialogue. Tous abonnés, tous soignants sur la Congo dialogue, sérieux.